Yo les potes, les gars, c'est Brother, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo en présence de. Bah attends, tu veux carrément dire mon nom là. Ouais, donc c'est Psy548, voilà, donc ça fait très plaisir d'être avec G Brothers, voilà, enfin avec G Brothers. Avec Brother, ouais, parce que Voilà. voilà, un nouveau prénom parce que je l'avais pas sur le PSN. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Donc, les gars, comme vous avez pu le voir à gauche, je vous mettrai l'écran de Psy548, donc son écran de Pokémon Go. Donc, comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur une vidéo Pokémon et à droite, je mettrai tout simplement mon écran de Pokémon. Donc j'ai juste lancé l'application. Donc pour ceux-là qui le savent pas encore les gars, j'ai déjà fait une vidéo sur Pokémon Go mais je l'ai pas montée, je l'ai pas enregistrée. Donc là Psy qui vous montre vite fait un peu, moi je vais un peu vite fait vous parler. Pokémon Go il est pas encore sorti en France, il aurait dû sortir. Il est sorti mercredi au Japon je crois, il est sorti maintenant partout, sauf en France et en Allemagne. Ou en Allemagne, je sais pas s'il est déjà sorti, il est déjà sorti en Allemagne? Non, je crois pas. Non je crois pas non plus. Ouais bon bref, en tout cas on attend avec impatience. En tout cas nous on a déjà l'application donc on s'en fout un peu. Donc vas-y je te laisse un peu parler Psy. Voilà, donc Pokémon que vous avez pu voir, ça a pris une grande ampleur dans le monde. Donc déjà, ouais, donc on peut déjà l'installer en France déjà qui n'est pas sorti. Donc ça fait à peu près combien? Un mois qu'il est sorti, un truc dans le genre? Ouais, je sais pas exactement. Je vous mettrai le lien pour le Donc télécharger ça sous fait... Android et iOS dans la description pour ceux-là qui le veulent déjà, les gars. Voilà, donc ça fait Vas-y. vraiment un buzz mondial. Bon, alors moi je tiens à préciser les gars, je suis avec mon deuxième iPhone, mais en fait j'ai téléchargé iOS 10 bêta 2 sur mon iPhone 5C bleu, enfin un truc dans le genre. Et du coup, en fait j'ai plus installé Pokémon Go, en fait j'ai ouais, donc j'ai plus installé sur mon téléphone. Du coup, je vous conseille vraiment pas d'installer iOS si vous voulez avoir Pokémon Go. Même si vous utilisez au passage, vite fait une petite parenthèse, si vous utilisez votre iPhone assez souvent, je vous conseille pas de télécharger iOS 10 parce qu'il y a vraiment des bugs et tout. Moi je l'ai aussi sur mon iPhone et genre quand j'écoute de la musique ou quoi, des fois il s'éteint tout seul. Enfin c'est vraiment bugué. Enfin bref, donc vas-y, je laisse un peu mon. Vas-y, montre un peu vite fait tes Pokémon. Voilà, donc là on va un peu parler au vif du sujet. Donc pour attraper un Pokémon, c'est tout simple. Bon, j'ai pas d'enregistrement, j'essaierai de vous en mettre un dans une prochaine vidéo. Sachant qu'on va partir dans une ville, du coup on va pouvoir bien vous montrer tout ça. Donc je vais un peu vous montrer les trucs. Donc là on a la Pokédex. Donc Pokédex, c'est à peu près là où vous verrez tous les Pokémon que vous avez déjà découverts. Donc vous pouvez voir, en fait c'est tout simplement classé par ordre de je sais pas trop quoi en fait. Ouais, de numéro, non? Ouais, Enfin, de c'est un numéro, un truc dans le classement. genre. Donc vous pouvez voir, j'ai déjà eu le dernier. Bon, c'est Volé, c'est tout simple. Ensuite, donc après j'ai eu Salamèche et j'ai attrapé un Carapuce, donc j'ai eu assez de chance. Sachant que là, moi je suis niveau 9 et G-Brothers est niveau 7. Ouais. Bon, après, les gars, ça fait pas tellement depuis longtemps qu'on joue, hein. On l'a Ouais. pas, en fait, il est pas sorti tout de suite, et quand on a pu l'installer, on l'a direct installé. Parce que moi, j'avais un peu peur et tout que ça fasse des bugs ou des virus et tout, mais après, je me suis dit, ouais, il y a tout le monde qui est là, donc pourquoi pas jouer aussi, quoi. Et voilà, donc quand on atteint le niveau 10, je crois qu'on reçoit des super Pokéballs. Donc c'est des trucs où on a plus de chances de capturer de Pokémon. Par exemple là, je n'ai pas encore atteint le niveau, mais je vous ferai une vidéo spéciale. Donc vous voyez, j'ai un œuf chance. Donc un œuf rempli de bonheur, gagner deux fois plus de PX pendant 30 minutes. Donc je vous conseille vraiment d'être dans une zone où il y a beaucoup de Pokémon. Comme ça, vous pouvez vraiment... Moi, de lancer un encens, quoi. Non, non, c'est un encens en fait pour XP, en fait. Tu reçois Ah, des super fois de... Donc c'est ok. vraiment Moi, pas je mal. connais pas trop. C'est vrai qu'il Ensuite, connaît plus. on a la potion, donc qui... J'ai pas de Pokémon blessé, mais en fait, quand vous faites un combat dans l'arène et que votre Pokémon est blessé, vous pouvez tout simplement le soigner, donc réanimer sa vie grâce aux potions. Le rappel, donc le rappel, c'est tout simplement un truc pour réanimer un Pokémon. Pour l'instant, j'ai encore jamais utilisé. J'ai jamais vraiment eu de Pokémon KO. Donc l'œuf chance, je l'ai déjà présenté. Donc Pokéball pour attraper les Pokémon, ça tout le monde connaît. Les baies Flumby, donc en fait quand vous attrapez un Pokémon, vous avez plus de chances qu'il vous apprécie, qu'il gagne si vous lancez une baie, vous lui donnez une baie simplement. Donc ensuite on a le module leurre. Donc ce module, ça permet en fait de mettre sur un Pokéstop. Donc vous voyez, juste ici en fait j'ai un Pokéstop. Voilà, bon je vais pas vous montrer pour pas voir où je suis dans mon village, c'est un peu un truc personnel. Du coup en fait vous pouvez juste simplement slider la barre et vous aurez des bonus, tout Ouais. comme les Pokéballs, les potions, le rappel. Et DB tout simplement. Donc je pense que vous avez déjà pas mal vu sur d'autres vidéos. Tout comme Squeezie qui a fait une grande. Il a fait deux vidéos maintenant aujourd'hui dessus, je crois. Ouais, Ouais, c'est ça. ça. Donc j'ai encore un peu plus parlé des Bon, vidéos. alors, je vais juste dire à l'heure où on fait cette vidéo, les gars, on est samedi 23 juillet. Donc, juste pour savoir, donc quand on va l'upload ou quoi, il y a peut-être eu des nouveautés ou on a eu des nouveaux Pokémon. Donc, voilà, vas-y, continue, Psy. Voilà. Donc ensuite, on a l'appareil photo. Donc très essentiel si vous voulez capturer un Pokémon avec la réalité. Ou alors vous pouvez activer le mode RA qui vous permet simplement d'être plus droit. Donc moi généralement je le fais souvent quand je marche et tout ça. C'est beaucoup plus facile de l'attraper parce que sinon on bouge le téléphone et c'est beaucoup plus compliqué. Sachant que moi un jour j'étais à court de Pokéball et je suis tombé sur un Roucarnage PC 221. Du coup j'ai eu un peu le seum de pas pouvoir l'attraper. Mais bon, j'avais, comme vous pouvez voir, en fait, j'ai déjà un Roucarnage. Attendez, juste le temps que ça charge, voilà. Un Roucarnage PC 461. Donc il est à l'arène.
Donc je vais juste vous montrer l'arène parce qu'il n'y a pas le nom du village dessus. Donc vous pouvez voir, je suis juste à l'arène ici. Bah, donc vous pouvez voir que j'ai mon Roucarnage, j'ai mon pseudo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, donc la boutique. Donc la boutique, comme ça, vous permet d'acheter plusieurs choses essentielles au jeu. Donc en fait, quand vous êtes à l'arène, comme vous pouvez voir juste en haut ici. Juste en haut ici, en fait, vous avez des trucs juste en haut, tout à droite, vous voyez le petit bouclier. En fait, quand vous cliquez dessus toutes les 20 heures, je crois, vous recevez un bonus de 10 pièces. Donc, vous pouvez voir que là, j'en ai déjà 20. Et en fait, vous avez aussi 100 poussières d'étoiles. Donc, poussière d'étoiles, ce qui vous permet de recharger le Pokémon. Bon, je vous montrerai ça plus tard. Donc, là, on peut acheter des Pokéballs. Vous voyez, donc, c'est assez cher. Quand j'ai vu ça, 100 pièces pour les 20 Pokéballs, je me suis dit, putain, faut vraiment que j'économise mes Pokéballs. Ensuite, on a de l'encens. Donc l'encens, est-ce qu'il nous permet d'attirer les Pokémon? Après, est-ce que ça marche vraiment? J'ai jamais vraiment. Bon, après c'est bien quand genre vous habitez dans les grandes villes ou quoi, genre si vous avez beaucoup déjà de Pokémon de base, et en plus si vous jetez un encens, vous avez en fait je pense ça attire les Pokémon vers vous, donc vous n'avez pas besoin de bouger je pense. Ou t'as quand même besoin de bouger, je sais pas trop en Bah, fait. généralement, moi, en fait, je le mets souvent dans les zones commerciales parce que c'est là où il y a plus de Pokémon, je trouve, pour l'instant. Ouais, dans les supermarchés quoi, dans les grandes super dans les grandes dans Voilà. les grands magasins Par quoi. exemple, aujourd'hui, en étant Intermarché, j'ai découvert plusieurs Pokémon, pas tellement, mais j'en ai vu quand on était une fois au Cora, enfin Cora, ce qui est un assez grand Magasin. magasin, voilà. Donc, il y avait plusieurs Pokémon, on a fait plusieurs fois le tour et on s'est vraiment max XP, Ouais, pourquoi? ça va, ça va. On a gagné énormément de Pokémon Donc, moi, je crois que je suis quand on monté y était. de 4 ou 5 niveaux, donc ça, c'est Ouais. plutôt pas mal. Donc, ensuite, qu'est-ce que. Donc, les objets, je vous ai montré la boutique, le Pokédex. Ensuite, je vous montre un peu les Pokémon. Donc, vous pouvez voir un peu les Pokémon que j'ai. Généralement, je garde toujours un exemplaire du Pokémon. Donc, je vais pas trop vous montrer tout ça. Donc, vous pouvez voir vite fait. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, là, vous pouvez voir, j'ai un Aspicote. Donc, celui-là, je vais. En fait, on peut l'évoluer. Donc, je vais vous montrer l'évolution de l'Aspicote juste après. Donc, on peut aussi les transférer. Donc, si vous voulez avoir de la place dans l'inventaire, généralement, c'est ce que je fais toujours. Juste regarder si j'ai un autre Paras plus évolué. Donc, attendez, Paras, oui, donc j'en ai un 198. Ah, ben celui-là que j'ai attrapé, j'ai eu de la chance. Donc, celui-là, on va vite faire le vent. Donc, celui-là, c'est lui que j'avais eu dans la zone du Korra. Donc, j'étais très content parce que c'est un Pokémon que j'avais pas encore eu. Mais toi, tu l'avais déjà eu, je crois, hein, Ouais, je l'avais ouais. déjà eu, ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez voir, bon j'ai pas de sous, vous les vendre sinon ça va être une vidéo assez chiante. Donc la Magikarp, je trouve ça un truc assez simple à voir si vous êtes près des rivières ou des océans, tout ça. Des étangs et tout. Des étangs et tout ça. Mais le problème c'est pour les voler, il faut quand même 400 bonbons. Donc il faut à peu près 101 carpes, je crois, un truc dans le Ouais, genre, c'est énorme, quoi. en les revendant. Donc c'est assez énorme. Ouais. Là on a aussi le Rattata, donc le Rattata évolué. Ça donne le Rattata. Voilà, donc par exemple, je vais vous montrer celui-là. Donc vous pouvez voir, ça c'est l'évolué. Donc vous pouvez voir, j'ai 69 bonbons de Rattata parce que c'est vraiment un truc que j'attrape souvent. Donc qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'évolue. Donc quand on évolue, c'est vraiment évolution, petit jeu de mots. Ah Donc c'est vraiment pas mal. Le problème c'est qu'il faut 25 et j'en ai seulement 15. Du coup, il faut encore que j'en attrape quelques-uns. Donc ensuite, vous pouvez voir la Spikot en fait. C'est un truc qui donne plutôt pas mal, vous disiez ouais c'est de la merde et tout au début. Mais je conseille vraiment de les attraper parce qu'en fait vous les attrapez et après vous les évoluez. Ça vous donne un co-confort et après vous gaspillez encore 50. Enfin vous gaspillez pas. Vous mettez encore 50 bonbons d'Aspicote en plus. Sachant qu'ils spawnent souvent dans les maps. Vous avez un Dardargan, donc comme vous pouvez voir, le mien il est 319. Bon, je vous mens pas que j'ai vraiment augmenté. De base il était à 150 je crois. Mais je voulais tester en fait l'arc de cercle et du coup j'ai mis beaucoup plus de d'étoiles. Vous pouvez j'en ai un nouveau 2600. Donc je suis plutôt content de ça. Donc ensuite, je pense que j'ai à peu près tout dit pour Pokémon. Ensuite, on peut aussi les classer par nom, PV, numéro de Pokédex, favori, date de découverte et point de CP. Moi je les classe toujours par point de CP, comme ça c'est plus facile pour les revendre par la suite. Voilà. Donc, je te laisse un Ouais, peu donc dire. les gars, je vais un peu vous dire, hein, donc Pokémon c'est un jeu qui prend beaucoup d'ampleur, comme on l'a déjà dit en début de vidéo. C'est un jeu où il y a déjà eu beaucoup d'accidents et tout ça. Bon, je pense que vous avez déjà vu de vidéos de youtubeurs où il y a déjà des gens qui sont morts et tout ça à cause de ça. Donc si vous jouez ou quoi dans la rue et tout, faites quand même attention quand vous traversez la route et tout ça. Parce que genre ça peut. Les accidents ils peuvent quand même aller assez vite. Donc les gars, moi je vais un peu vous montrer mes Pokémon. Donc je suis moins fort que mon frère parce que je joue quand je marche ou quoi dans la rue ou quoi, mais genre je suis pas aussi évolué que ça.
Quand t'es vraiment dans les grandes villes, en Ouais, fait. voilà, quand j'ai vraiment envie de jouer de ça et quand j'ai de la batterie aussi, parce que Pokémon c'est un jeu qui prend vraiment beaucoup de batterie, donc si vous voulez sortir ou quoi, vous voulez un peu capturer des Pokémon, je vous conseille vraiment de charger votre iPhone ou votre Samsung à fond. Donc moi là j'ai un Rattata PC 302 que Psy qui m'a évolué. Moi je l'ai pas. Moi j'y touche pas trop, et les évolutions et tout, je sais pas trop comment faire. Il m'a un peu vendu aussi, donc ça c'est un peu mes Pokémon. Après j'ai un Dardanian. Dardagan, Dardard. Dardagnan, ouais. Ouais, Dardanian, ouais. Donc PC 208 aussi. Après j'ai un Paras 191. Bon après je vous laisse faire, je vais pas tous vous les présenter parce qu'après ça peut être un peu chiant. J'ai un Evoli 141, enfin voilà, vous pouvez un peu voir, je vous fais un peu défiler. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour ceux-là qui veulent voir. Donc Psy qui m'a supprimé un peu les Pokémon qui étaient utiles. Un conseil aussi que je peux vous donner les gars qui est très important, je vous conseille de vraiment capturer tous les Pokémon que vous voyez. Vraiment tous, même si c'est chiant ou quoi. Je vous conseille vraiment de tous les capturer. Parce que comme ça vous rapporte. Là par exemple, je clique sur le Kanios, ça vous rapporte des bonbons. Et grâce aux bonbons, vous pouvez les évoluer. Donc vous le capturez, vous avez les bonbons et après vous le supprimez. Vas-y, Psy, tu voulais dire un truc? Ouais, donc en fait, si vous avez plus beaucoup de Pokéball, je vous conseille pas d'attraper les petits Pokémon PC 10 et tout ça. Je vous conseille vraiment d'essayer d'attraper les gros, genre PC 200, donc sachant qu'ils prennent beaucoup de Pokéball, faites vraiment attention au niveau de ça. Donc ne gaspillez vraiment pas vos Pokéballs à balancer comme du n'importe quoi. Moi, au Ouais. début, c'est ce que je faisais parce que j'avais beaucoup de Pokémon et tout ça. Du coup, j'étais à avoir un Pokémon et tout, j'ai vraiment bien essayé de l'attraper. Maintenant, en fait, depuis que j'étais à court de Pokéball, je fais beaucoup plus attention à mon tir, en fait, tout simplement. Ouais, c'est normal. Après les gars, il y a un autre truc aussi, c'est les œufs. Vous savez qu'il en a pas parlé, donc je vais vite fait un peu en parler, ouais. Tu pourras parler un peu sur le sujet. Donc en fait, vous avez plusieurs catégories d'œufs. Vous avez les 2 km, les 5 km et les 10 km. Donc dans le 2 km, vous pouvez avoir Pikachu. C'est un Pokémon assez rare. Ça m'a plutôt étonné quand je l'ai su que dans le 2 km, on pouvait l'avoir. Après le 5, c'est des genres moyens et tout ça. Et le 10, c'est des plutôt rares, un peu comme ça. Donc en fait pour faire les œufs, il vous faut des incubateurs. Donc je sais pas trop moi ça bug ou quoi, parce que là par exemple si je clique sur lui, je fais démarrer l'incubation. En fait là je peux pas. Donc en fait je pense que c'est que deux à la fois, deux ou un, je sais pas trop, ouais je pense. Oui, c'est que 2 en fait. Ouais, ok Comme vous ouais. pouvez voir, moi en fait j'ai 7,2 sur 10 km. Donc j'essaierai de faire à un moment donné, quand ils écloront, j'essaierai de faire Ouais bah je te filmerai au pire. un. Ouais, il me filmera ou quoi. Bon, vous verrez pas exactement comme là. À moins que j'essaie d'installer une application Ouais. pour le faire. Donc On verra, on verra. voilà, donc je te laisse un peu reprendre la parole. Ouais, donc moi là j'ai un 5 km où je suis à 4,1 et j'ai un 10 km où je suis à 3,4 et après j'en ai où faut que je les incube. Donc je vous afficherai aussi une petite image à l'écran où vous pouvez voir les en fait avec le nombre de kilomètres les Pokémon que vous pouvez avoir si je la retrouve parce que je l'avais vu sur Twitter une fois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder un peu. Après en bas on a aussi les Pokémon qui sont proches de nous. Donc les Pokémon. Donc moi je comprends pas trop le système personnellement parce que là c'est 3 pas. En fait 3 pas c'est un rayon d'un kilomètre, 2 pas c'est un rayon de. Enfin c'est 100 mètres et un pas c'est 20 mètres. Mais moi j'ai jamais trop compris niveau des pas. Voilà, donc tout en fait c'est un peu buggé niveau des pas. En fait, on a toujours 3 pas, Ouais. donc je trouve ça assez bizarre. Ouais bon. Bon, ensuite, du coup, je vous donne une petite technique en fait pour capturer les Pokémon. C'est un truc que j'ai vraiment essayé qui marche vraiment en fait. Vous pouvez voir en fait, vous avez plusieurs routes sur le GPS. Après, c'est le GPS de Google Maps, et en fait, vous marchez sur la route pour voir en fait tout simplement dans quelle direction il fallait. En fait, vous avez des petites impulsions. Et en fait, si vous avez plus d'impulsions, c'est-à-dire que vous avez plus de Pokémon sur cette route. Et si vous avez des impulsions sur la route, c'est-à-dire qu'il est sur cette route. Donc, continuez sur la route où il y a des impulsions. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille. Ouais, après, ouais, je sais pas trop. Enfin, moi, j'ai pas trop compris le système Moi, perso. j'en ai déjà attrapé un comme ça. Donc, Ouais, donc ça veut dire que ça marche. Bon, ça, après, je sais certainement pas. que ça Bon, marche. après, de toute façon, si vous marchez ou quoi, les Pokémon en général, ils éclosent devant vous. Donc, regardez souvent votre phone. Par exemple, là, on peut en avoir un juste devant nous, en fait. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que vous dézoomez un peu comme ça, vous avez un plus vaste chemin. Enfin, vous avez une plus grosse vue. Et si vous êtes genre dans un courant ou dans un Auchan, je vous conseille vraiment de jeter un encens. Parce que c'est vraiment là où vous pouvez vraiment en avoir beaucoup. Moi j'en ai jeté un, bon là je crois que j'ai plus d'encens. Parce que j'en ai plus. Donc moi j'ai à peu près pareil comme Psy, j'ai juste pas quelques trucs qu'il a, je sais plus exactement ce qu'il a. Bon après j'ai les potions et Non, tout moi ça. j'ai 41 rappels et j'ai 37 potions. Ouais bon après voilà, moi je joue pas énormément non plus, mais voilà. Après j'ai 73 Pokéballs, mais bon, après ça les Pokéballs, de toute façon vous les récupérez dans les Pokéstops, donc je vous conseille de prendre quand même les Pokéballs. Parce que comme ça, qu'il a dit avant, les Pokéballs ils partent quand même assez vite. Donc je te laisse la parole. Après, c'est sûr que si vous êtes dans un petit village comme nous, il y a juste deux Pokéstop.
C'est sûr que c'est plus compliqué au niveau des Pokéballs. Ouais, Après, c'est sûr, ouais. si vous habitez dans une grande ville, vous vous réveillez le matin, vous faites deux pas, vous avez direct 4 Pokéstop. Sauf que ça recharge toutes les 2 minutes, vous avez facilement 100 Pokémon en à peu près. Sans Pokéball. 100 Pokéball, ouais. Ouais. 100 Pokémon, c'est plus compliqué. Ouais. 100 Pokéball en environ 30 minutes, un truc dans le jeu. Ouais, Donc, c'est vraiment pas donc mal. ouais, après pour ceux-là qui ont habité en ville, c'est sûr ils ont plus de choses, mais bon après Plus de chance. plus de chances d'avoir des choses, ouais. Donc les gars, on est déjà à 15 minutes de vidéo. Je pense qu'on Ah, pas va mal, ouais, c'est une belle vidéo. je pense qu'on va s'arrêter là. Donc les gars, je pense, donc je sais pas encore trop si la vidéo on va l'upload, je vais déjà la monter et tout ça, rendu et tout ça, on verra. Si la vidéo je l'upload, les gars, on fera je pense une petite série, soit je suis seul ou soit je suis avec Psyche. Donc une semaine sur enfin une vidéo enfin une semaine sur deux ou ouais. Une semaine sur deux ou quoi, on fera une vidéo mon évolution sur Pokémon Go ou un truc comme ça. Donc on vous montrera les nouvelles vidéos, enfin les nouveaux Pokémon qu'on a acquis et tout ça, enfin les nouveaux trucs qu'on a eu, les niveaux qu'on est montés. Donc là on peut voir que je suis niveau 7 et Psy qu'il est niveau 9. Donc on verra au prochain épisode si je lui plote combien on est. Vas-y, si tu veux dire Voilà, un truc. donc petite précision encore les gars, comme vous aurez pu voir, on est dans l'équipe Sagesse, donc l'équipe Ouais, bleue. ouais, ouais, Donc ouais. voilà, Ça en on n'a fait, pas précisé, j'ai ouais. pas précisé, lui non plus il a pas Non, précisé, et en c'est fait tout là. simplement je voulais pas rejoindre l'équipe jaune parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs. Ouais. Et l'équipe rouge, il y avait trop de joueurs, et l'équipe bleue en fait je trouvais que c'était juste la bonne équipe, parce que tout le monde rejoignait l'équipe rouge, parce qu'il y avait vraiment 90% des gens qui rejoignaient l'équipe rouge, du coup j'avais vraiment envie d'avoir du level pour capturer des arènes et tout ça. Du coup Bah c'était moi pour ça. j'ai en fait j'ai rejoint l'arène que Psyche l'avait rejoint tout simplement. Voilà, Non, comme ça on est dans la non, même arène. tu n'y es pas en fait. Non mais pas dans l'arène là, mais je veux dire dans la même équipe. Ouais, dans la même Ouais équipe. pardon, ouais, j'ai D'ailleurs, dit tu devrais l'arène. rejoindre l'arène. Comme Ouais ça, ouais bon t'as bref. des points en plus. Ouais, t'inquiète, on verra ça. Donc les gars, je pense qu'on va vous laisser. On va vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Et peace les frères. Ouais.